Emma McKay en Barbie, la métamorphose de dévoilée sur les premières affiches du film. C'est l'un des films les plus attendus de cette année 2023. Barbie, l'adaptation cinématographique des aventures de la poupée blonde la plus connue au monde. Par Greta Gerwig, vient de dévoiler les premières images de ses personnages, avec notamment la présence de la franco-britannique Emma McKay. Vous la connaissez sûrement. Vous l'avez déjà croisée dans les magasins, dans la rue, dans les mains d'une petite fille ou d'un petit garçon. Vous y avez même peut-être joué. Lui avait inventé des histoires, et vous avez même dû chanter une fois dans votre vie comme en Barbie. Let's go party! Barbie, la poupée la plus célèbre de l'histoire des jouets, va faire son retour au cinéma, après avoir fait des apparitions dans la saga de film Toy Story, dans laquelle Tom Hanks prête sa voix, la blonde la plus célèbre du monde avec Pamela Anderson, a droit à son adaptation au cinéma. Projet d'adaptation qui traîne depuis de nombreuses années dans les bureaux d'Hollywood. Le tournage du film avait été lancé en 2022, sous la direction de la réalisatrice Greta Gerwig, qui brillait dernièrement sur Netflix dans le film White Noise, pour incarner la célèbre poupée. C'est l'actrice de Babylon, Margot Robbie, qui a été choisie. Pourtant, les premières affiches nous apprennent que l'actrice ne sera pas la seule à prêter ses traits à Barbie. C'est sur le compte Instagram Barbie que les premières affiches du film ont été dévoilées. Sur celle-ci, l'on peut voir les différentes actrices qui vont incarner la poupée et aussi son célèbre chéri, Ken. Car si jusqu'à maintenant l'on pensait que Margot Robbie serait la seule et l'unique Barbie, et Ryan Gosling serait le seul et unique Ken, ces affiches nous montrent qu'ils ne seront pas seuls pour incarner les personnages cultes. Il y aura notamment la chanteuse Dua Lipa qui sera une Barbie sirène. Parmi les différentes interprètes de Barbie, il y aura Emma McKay. On l'avait découvert en 2019 dans la série Sex Education sur Netflix, dans laquelle elle incarne la rebelle Maeve. Depuis, Emma McKay s'est fait un nom dans le monde du cinéma. Entre son rôle dans le film Eiffel, réalisé par Martin Bourboulon, qui s'est depuis attelé à l'adaptation des Trois Mousquetaires, son interprétation de Jacqueline de Belfort dans Mort sur le Nil, et celle de l'auteur Emily Brontë. L'actrice est devenue l'un des visages montants du cinéma mondial. Et elle n'est pas prête de s'arrêter là. Dans Barbie, l'actrice d'origine française incarne une Barbie prix Nobel comme le révèle son affiche de personnage. Emma McKay n'est pas blonde comme la poupée, mais brune et porte un serre-tête rose. Si cette première série d'affiches ne nous donne pas d'indices sur l'intrigue du film, elle titille notre curiosité et nous donne hâte de découvrir Emma McKay et le reste du casting dans un film qui s'annonce haut en couleur.